du Conseil économique, social et environnemental, qui est aujourd'hui l'un des rares endroits de la société civile où les jeunes peuvent participer à l'élaboration des politiques publiques. Si notre arrivée a pu créer quelques crispations en 2010 et notre légitimité être questionnée, nous avons pu voir depuis que la présence de jeunes et d'un groupe rassemblant les représentants des organisations étudiantes et de mouvements de jeunesse dans cette assemblée avait fait bouger les lignes. Plus de 8 avis rendus depuis 4 ans ont traité des problématiques de jeunesse, dont 4 portés par notre groupe sur la question des droits sociaux des jeunes, le logement des jeunes, l'emploi des jeunes et la sécurisation des parcours d'insertion sociale et professionnelle. À un moment où certains pensent que les jeunes sont égoïstes, repliés sur eux-mêmes, nous avons permis à la société civile, représentée dans cette assemblée, de prendre conscience des réalités de la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'est pas la même que celle que certains d'entre eux perçoivent ou ont pu connaître. Aujourd'hui, les jeunes de 18 à 25 ans sont les plus touchés par la pauvreté. Près de 25% des jeunes sont au chômage, jusqu'à 45% dans certains quartiers et quartiers prioritaires. 1,9 million de jeunes sont aujourd'hui ni en emploi, ni en formation. Un jeune sur 6 n'a pas de complémentaire santé et un étudiant sur 3 a déjà renoncé à des soins pour des raisons financières, sans parler là des problématiques de logement. 150 000 jeunes, et vous le savez, Monsieur le Président, sortent du système scolaire sans aucun diplôme chaque année. Mais ils sont aussi 150 000 à vouloir s'engager en service civique chaque année, des millions à faire du bénévolat, notamment dans des associations étudiantes et les mouvements d'éducation populaire, de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat social, et bon nombre ne demandent qu'à aller plus loin dans leur volonté d'engagement, y compris politique, car les jeunes ont envie de changer le monde et d'apporter leur énergie et leur créativité à la construction de notre pays. Les travaux du CESE tout au long de cette mandature ont permis de montrer que depuis 30 ans, les politiques publiques n'avaient finalement pas pris en compte ce nouvel âge de la vie qui, pour certains, s'étend dès 16 ans, âge de la fin du système obligatoire, à 29 ans, qui est aujourd'hui l'âge moyen du premier CDI. Il était à 22 ans en 92. Cette période d'allongement de la jeunesse est trop souvent synonyme de précarité. Depuis 30 ans, les jeunes sont la variable d'ajustement du marché de l'emploi. Aujourd'hui, enchaîner des stages, des périodes d'intérim ou plusieurs CDD est devenu la norme, alors que c'est bien le seul CDI qui reste aujourd'hui encore le sésame pour avoir accès au logement, au système de protection sociale et qui leur permet de faire des projets de vie. Le CESE, dans ses travaux, a donc fait un ensemble de propositions pour un véritable Big Bang des politiques jeunesse. Comme votre gouvernement a su se saisir de la question du vieillissement et de la dépendance, nous demandons aujourd'hui des politiques publiques en faveur des jeunes. Mettre fin aux millefeuilles de dispositifs. Plus de 80 aujourd'hui sont gérés par les missions locales pour l'insertion sociale et professionnelle. Il faut permettre aux jeunes d'accéder véritablement aux droits communs. La France reste un des rares pays d'Europe à ne pas avoir de revenu minimum pour les plus de 18 ans. Les jeunes sont conscients de la situation du pays et de ses finances publiques. Nous serons d'ailleurs les premiers à en payer la charge. Mais aujourd'hui, nous appelons Monsieur le Président de la République à affirmer encore plus clairement que l'argent investi dans la jeunesse n'est pas un coût, mais un investissement. Un investissement dans l'avenir qui permettra aux jeunes de regagner confiance dans la société et à s'intégrer pleinement. Comment, en effet, pouvons-nous attendre des jeunes qu'ils se mobilisent en force pendant les élections, qu'ils continuent à payer de l'impôt, à cotiser pour les retraites, s'ils ne voient pas notre collectivité les considérer comme des citoyens à part entière et non comme des citoyens à part ? Prendre conscience que leur dynamisme, leur créativité sont source de richesse pour le pays et pour toutes les organisations. Ce sont ces recommandations que nous avons partagées tout au long de cette journée à Sciences Po, avec le LIEP et au CESE. 3 ans, jour pour jour, après votre élection, vous avez accepté de venir échanger avec des jeunes d'horizons et de parcours divers. Nous vous en remercions chaleureusement. Nous comptons sur vous pour permettre à de plus en plus de jeunes de prendre part à l'élaboration des politiques publiques, comme on le voit au CESE. Car comme le disait Mandela, ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Tout n'est pas de la responsabilité du politique, Monsieur le Président, et vous le savez, mais nous attendons de vous et du gouvernement de donner cette impulsion et de conduire les partenaires sociaux, les collectivités locales, le monde associatif à refonder notre système de protection sociale et de solidarité intergénérationnelle en prenant en compte ce nouvel âge de la vie. À cette génération qui entend parler à longueur de journée de la dette qui lui revient, dette économique, mais aussi dette écologique, vous devez envoyer un signal fort en affirmant notre volonté de s'investir sur ces questions et de s'investir véritablement. Quentin, Clara, Awa, Noria, Mathieu, Élise, Mathilde et Amadeus seront les porte-parole de la jeunesse plurielle qui est présente ce soir. Et je leur laisse la parole. Quentin, c'est à toi. Bonjour, monsieur.
Bonjour Monsieur le Président. Donc je suis Quentin Souneur, je suis étudiant en droit à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Je suis président d'une fédération territoriale qui s'appelle Intercampus, membre du réseau de la FAGE. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on mène depuis 2011 qui s'appelle les Agora étudiantes. C'est un projet qui a été conçu au regard de la précarité étudiante pour lutter contre la précarité et apporter une solution concrète aux étudiants pour leur permettre de réussir leurs études malgré toutes les difficultés qui pouvaient s'imposer à eux. L'Agora, qu'est-ce que c'est du coup? C'est une épicerie sociale qui est ouverte aux étudiants en difficulté, les plus précaires d'entre nous, qui peuvent bénéficier de produits alimentaires, produits d'hygiène, produits scolaires à 90% en moins du prix du marché. Et au-delà de l'aide alimentaire, on apporte aussi un accompagnement dans un lieu de vie qui est ouvert, par contre, lui, à tous les étudiants. On mène des ateliers nutritionnels, des activités culturelles. On aide à partir en vacances avec nos partenaires nationaux. Et à travers ce projet, ça permet, du coup, à l'étudiant de voir son budget un peu allégé par une charge assez importante et de pouvoir, du coup, moins se salarier. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les étudiants sont obligés de se salarier pendant leurs études au détriment de leur cursus et de leur insertion professionnelle. Au-delà de ça, l'Agora, c'est aussi un lieu d'engagement des jeunes. Ça permet du coup de favoriser la vie sur les campus, la vie dans les villes dans lesquelles nous sommes. Du coup, on mène beaucoup de projets. Alors, je vais prendre un projet que nous menons à Intercampus, à Reims, avec les services civiques, avec les bénévoles. Ça s'appelle Interprévention. C'est un projet de santé publique. Donc, il vise à promouvoir la santé, à sensibiliser aussi sur les risques. Donc, une fois par mois, pendant une semaine, on va sur tous les campus de la Champagne-Ardenne, et vous connaissez l'étendue de la Champagne-Ardenne, pour aller sensibiliser directement les étudiants et leur apporter, du coup, des conseils avec des professionnels. C'est là la force du projet, c'est que des professionnels travaillent avec nous et ont pris le temps, du coup, de venir parler aux étudiants, parce que parfois, c'est cette problématique, ils sont nombreux, mais peu accessibles, car peu connus. Ma question, du coup, Monsieur le Président, va porter sur la santé des étudiants. Lors d'une dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, 25% des étudiants renonçaient aux soins faute de moyens, et ce chiffre s'élevait à 34% pour les étudiants boursiers. Votre gouvernement a étendu l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire, mais on se rend compte, au regard des chiffres, que peu d'étudiants en bénéficient. Et la question que je vais vous poser, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est de savoir s'il ne serait pas judicieux de l'étendre aux étudiants boursiers, que ça soit de droit, et dans la volonté de simplifier l'action publique et permettre à tous les jeunes de pouvoir recourir effectivement à leurs droits, ça serait de, à travers un dossier unique, avoir les bourses, avoir la demande de bourse, la demande du coup de CMU complémentaire pour tous les étudiants boursiers, mais aussi pourquoi pas, et soyons plus global, l'aide au logement et tous les types d'aides. Et cette aide, Monsieur le Président, est-ce qu'elle ne serait-il pas judicieux qu'elle soit menée par un seul interlocuteur, le CROUS, qui est l'acteur de la vie étudiante, donc un dossier unique, un acteur unique, pour favoriser l'accès de tous à leurs droits et du coup offrir la possibilité à tous de poursuivre leurs études, car c'est le but de la République, c'est donner à tous les enfants de la République la possibilité d'avoir un diplôme, de réaliser leurs rêves, et c'est là aujourd'hui l'image de toute la jeunesse qui est représentée ce soir, c'est un peu des profils divers qui veulent réussir leurs études. D'abord, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, merci de nous accueillir ici. C'est une belle image que donne le Palais d'Iéna, ainsi rempli de jeunes. C'est aussi un symbole, montrer que la jeunesse peut être partie prenante de ce qui fait la force d'une nation, c'est-à-dire, en l'occurrence, ici, ses partenaires sociaux. La jeunesse, elle est représentée de multiples façons. Elle est représentée par des organisations étudiantes, elle est représentée par des organisations syndicales lorsque les jeunes travaillent, et puis elle est représentée aussi par un certain nombre de mouvements que, ici, vous incarnez. Mais l'essentiel de la jeunesse se sent sans porte-parole, sans reconnaissance. Et c'est donc très important que nous puissions, j'y reviendrai, donner à la jeunesse la confiance dans ces institutions, y compris même dans la participation aux décisions. J'ai voulu cet entretien, cette discussion, pour l'anniversaire de l'élection qui a eu lieu le 6 mai 2012,
Pourquoi ? Parce que j'avais donné comme priorité pour mon quinquennat la jeunesse. La jeunesse, c'est à la fois une génération, celle que vous représentez, et en même temps, il y a plusieurs jeunesses. Elle peut avoir les problèmes de précarité, elle peut avoir des problèmes de santé publique, elle peut avoir des problèmes d'emploi, mais ce ne sont pas forcément les mêmes selon les quartiers, selon les catégories sociales, selon les parcours de chacun. Et il n'en reste pas moins qu'il y a des constantes dans cette génération. Et parmi les difficultés qu'elle rencontre, c'est sa place. Qu'est-ce que la société est prête, non pas à offrir, non pas à donner, mais qu'est prête à faire à la jeunesse de France ? Nous avons cette particularité dans notre pays d'avoir plus de jeunes par rapport à la population que nos voisins européens. Et c'est un atout considérable, à la condition qu'on puisse donner à cette jeunesse la capacité de se réaliser, de s'accomplir. Alors, je vais reprendre votre question. Parmi les problèmes que vous avez posés, il y a celui de la précarité chez les jeunes, de ne pas avoir d'horizon. Et quand la jeunesse n'a pas d'horizon, la société n'a pas non plus d'avenir. Parmi les questions de précarité qui sont les plus intenses, qui sont les plus tenaces, c'est la santé. Ça peut paraître très paradoxal, et ça pourra surprendre. Comment des jeunes peuvent avoir des problèmes de santé alors qu'ils sont jeunes ? Et pourtant, c'est souvent quand on est jeune qu'on a besoin d'avoir un certain nombre d'accompagnements, de soins et de conseils. Et nous pensons tous que finalement, les jeunes sont forcément couverts par la sécurité sociale, soit parce qu'ils sont avec leurs parents et donc couverts par l'assurance maladie ou la mutuelle des parents, ou parce qu'ils sont étudiants, qu'ils ont donc accès à une sécurité sociale étudiante, ou qu'ils sont travailleurs et qu'ils sont à ce moment-là couverts par leurs propres droits. Et en fait, nous savons qu'il y a une part de la jeunesse qui n'est en fait couverte par rien du tout, parce qu'elle a voulu être autonome des parents, donc elle s'est détachée et à partir de là, elle n'est plus considérée comme liée aux parents et donc au système de sécurité sociale des parents, soit même parce qu'il y a des étudiants mais qui n'ont pas forcément de complémentaire et pour qui l'accès aux soins peut être une difficulté. Et enfin, parce qu'ils peuvent être travailleurs, mais des travailleurs précaires qui n'ont pas forcément toujours la bonne couverture sociale ou qui n'ont pas forcément fait toutes les inscriptions et toutes les démarches. Donc vous posez en fait deux questions avec deux propositions. La première, c'est est-ce qu'on ne peut pas étendre la couverture maladie à tous les boursiers ? Non, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est pour les boursiers qui sont, c'est-à-dire les étudiants les plus en difficulté, avoir un système qui pourrait s'apparenter à la couverture maladie universelle complémentaire. En l'occurrence, on est dans le complémentaire. Et vous avez vu qu'il y a la loi santé qui est en ce moment discutée. Et parmi les propositions, il y a non seulement le tiers payant, ce qui serait aussi pour les jeunes une facilité et une liberté supplémentaire qui pourrait leur être donnée. Et puis, il y a la possibilité pour un certain nombre de catégories de pouvoir accéder à la couverture maladie universelle complémentaire. Et puis, vous faites une deuxième proposition qui est d'avoir un lieu unique. Je n'ose pas dire un guichet unique parce que finalement, on ne va plus au guichet. Un système même numérique unique où on puisse traiter la question du logement, la question, y compris la caution que l'on peut éventuellement demander, puisqu'on a introduit cette réforme, la question de la bourse et la question de la santé. Alors oui, je pense que ça fera partie justement des propositions que vous faites. J'y reviendrai sur la méthode que l'on pourra choisir. Comment pouvons-nous simplifier et utiliser donc finalement aussi toute notre énergie pour ne pas compliquer la vie. Parce que quand on complique la vie des jeunes, il est possible qu'on la complique pour un certain nombre de temps, d'années et de générations. Donc si on commence à simplifier la vie des jeunes, on va simplifier la vie des Français. Commençons déjà à simplifier la vie des jeunes. S'ils partent avec l'idée que le système est simple, je crois qu'ils auront pour le reste de leur existence professionnelle et civique, davantage de confiance dans leur avenir.
Je vais passer la parole à Hawa. On va rester dans le milieu étudiant. Et en même temps, Hawa, elle a vécu un volontaire service civique au sein d'un média en ligne qui s'appelle Zone d'expression prioritaire, ZEP. Et elle a une question précise à vous poser, notamment sur la vie étudiante. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bénéfices de l'année de césure, car je suis actuellement en année de césure. Donc, j'ai fait une licence en droit, économie et gestion avant cette année de césure. Je voulais faire une pause dans mes études afin de pouvoir avoir une expérience professionnelle en lien avec mes aspirations, donc dans le journalisme. En parallèle de cette mission en service civique, j'ai pu également m'engager au sein du Conseil parisien de la jeunesse, rejoindre l'action d'arrêter de nous mettre dans vos cases qui cherche à faire entendre la voix des jeunes. J'ai pu faire énormément de choses donc, en parallèle de cette mission en service civique, car je n'étais plus étudiante, donc j'avais le temps de m'engager. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que l'année de césure n'était pas assez valorisée ici en France, qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent faire une année de césure, mais qui ne le font pas. On parle beaucoup de vivre ensemble dans ce pays, mais je pense que le vivre ensemble, ça passe déjà par le fait de reconnaître les gens, non en fonction de leur diplôme, mais surtout pour ce qu'ils sont. Récemment, il y a un sondage Animafac concernant l'année de césure qui prouve que 59% des jeunes souhaitent faire une année de césure, mais ils sont confrontés notamment à des obstacles financiers, n'ont pas forcément les moyens de la financer. Et également, ils ont peur de ne pas pouvoir trouver de formation en reprenant, en fait, justement, à la fin de cette année de césure, ils ont peur de ne pas trouver de formation. Donc, il faudrait sécuriser cela, construire quelque chose autour de cela, le fait d'assurer une place en université, par exemple, à l'issue de cette année de césure. Donc, ma question est la suivante. Que souhaitez-vous faire pour que l'année de césure devienne un droit pour tous les jeunes, accessible à tous les jeunes, pas uniquement aux écoles de commerce, aux grandes écoles? Quand est-ce qu'un jeune pourra décider de faire une année de césure sans être pénalisé dans son parcours? C'est déjà une question de journaliste que vous avez posée. Et en même temps, vous avez donné votre expérience, parce que vous avez déjà une expérience, qui a été ce service civique. Et vous avez voulu donc faire une césure, une coupure, une ouverture, avec un service civique pendant le temps de votre formation universitaire. Et là, je veux d'abord encourager toutes celles et tous ceux qui veulent faire un volontariat service civique. Le ministre de la Jeunesse qui est ici fait en sorte que nous puissions atteindre l'objectif d'avoir 70 000 jeunes en service civique d'ici la fin de l'année et 150 000 d'ici 2017. Ce n'est pas le volontariat qui manque, ce n'est pas l'engagement qui fait défaut. C'est souvent les missions qui peuvent être proposées qui ne sont pas suffisamment nombreuses. D'où la mobilisation de tous les ministères, de toutes les administrations, de toutes les collectivités, pour qu'il y ait des missions de service civique qui puissent être proposées. Proposer à tous les jeunes, quelle que soit leur situation, qu'ils soient en formation, j'y reviendrai, à l'université, qu'ils soient en recherche d'emploi, qu'ils soient en décrochage, il n'y a pas d'exigence de diplôme, il n'y a pas de période préparatoire, il n'y a pas de concours, seule la volonté compte. Mais pour qu'il y ait des services civiques, il faut aussi qu'on puisse faciliter la possibilité de faire ce choix. Et l'année de césure peut être une opportunité. Ça veut dire quoi, une année de césure? Ça veut dire que dans un cycle de formation, il soit autorisé de prendre un congé pour faire un service civique, ou pour d'ailleurs faire un voyage, si c'est l'objectif, et que ça soit compatible avec les études, que ça ne fasse pas perdre un cycle universitaire. Puis, ensuite, il y a une deuxième interpellation que vous m'adressez, c'est de dire, mais est-ce que pendant l'année de césure, on pourrait être indemnisé? Alors ça dépend. Si vous êtes en service civique, vous le serez. Si vous êtes en Erasmus, vous rentrez dans le processus universitaire. Si vous êtes en mobilité personnelle, alors c'est vrai qu'il va falloir faciliter le travail pendant cette période-là, et j'y reviendrai, ça sera le rôle de la prime d'activité. Mais je reviens à la demande que vous faites au pouvoir public. Une circulaire va être prise dès cet été pour que
la prochaine rentrée universitaire soit l'occasion d'introduire l'année de césure. C'est-à-dire que maintenant, il sera donc considéré que quand un jeune prend une année, qu'on pourrait appeler sabbatique ou année de césure, eh bien, ce soit considéré comme une suspension de son cycle universitaire, mais en aucune façon comme une rupture. Le jeune sera toujours rattaché à son université, ce qui facilitera le service civique, puisque le service civique, c'est 8 mois, et donc pendant ces 8 mois, eh bien, le jeune sera toujours considéré comme en service civique, mais étudiant. Et si il est dans une formation professionnelle, nous introduirons aussi cette possibilité. Donc oui à l'année de césure, si ça doit être aussi une année d'engagement dans le cadre du service civique, mais dès cet été, l'année de césure sera introduite dans le système universitaire français. Merci. Je vais donner la parole à Amadeus. Amadeus, tu as 22 ans. Tu as décroché il y a quelques années d'un bac pro et depuis 2014, tu bénéficies du dispositif La Garantie Jeune qui a été mis en place par le gouvernement au sein de la mission locale de Bobigny. Monsieur le Président, bonjour à tous et à toutes. Faire de la Garantie Jeune un droit. Après avoir quitté le lycée pendant ma deuxième année de bac pro microtechnique, après un mauvais choix d'orientation, je me suis retrouvé en mission locale où, à ce moment-là, j'ai dû faire des choix, comme celui de passer mon CAP de commerce que j'ai obtenu pour au moins avoir un vrai diplôme que celui du brevet des collèges. Après l'obtention de ce CAP, je n'avais plus envie de continuer les études et voulais entrer dans la vie active. Je suis allé voir mon conseiller à la mission locale pour me conseiller sur la marche à suivre, savoir s'il existait des établissements ou des dispositifs m'aidant à ma recherche. Puis un jour, après avoir fait mes recherches et démarches tout seul en termes d'emploi, le conseiller, comprenant que j'avais des difficultés financières, m'a parlé du dispositif de la garantie jeune, en m'expliquant que la garantie pourrait m'accompagner à cette recherche d'emploi en me proposant divers ateliers, et aussi me fournir une aide financière pour m'aider à cette recherche d'emploi et dans la vie de tous les jours. Contrat de durée d'un an non renouvelable. La garantie jeune m'a accompagné pendant 6 semaines, sans me laisser tomber, et continue toujours à m'accompagner, mais après avoir fini ces 6 premières semaines, j'ai vu que j'avais des choses à changer sur mon CV ainsi que ma lettre de motivation. J'ai appris beaucoup de choses au sein de la garantie jeune. Si un tel moyen existe, je pense qu'en parler à des jeunes en leur faisant connaître ce dispositif qui a été créé récemment pour eux, qui sont dans la même situation que moi et qui semblent perdus, serait déjà un bon départ pour les aider, le plus tôt possible, en n'attendant pas qu'ils soient dans la merde. Si le conseiller m'en avait pas parlé, je pense que je n'aurais jamais su en ce moment même que cela existait. Et d'autres jeunes que je côtoie ne le savaient pas non plus. Monsieur le Président, j'aurais 2 questions. La première, que pensez-vous de créer une journée d'information sur les droits au cours de laquelle on pourrait parler des différents dispositifs comme celui de la garantie jeune? La deuxième, que comptez-vous faire pour que la garantie jeune soit proposée à tous les jeunes? Merci Amadeus. Je sens qu'il y a là une attente particulière par rapport à vous, peut-être, mais à la garantie jeune, sûrement. Et à votre expérience, ça a été éclairant pour beaucoup de ceux qui sont ici. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi. Ils ne sont pas nulle part, ils existent, sans doute un certain nombre sont là. Et ces jeunes, on ne leur propose jamais rien. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils n'ont pas la qualification, parce qu'ils ne sont pas dans un système social où ils auraient été accompagnés. Et donc nous avons eu l'idée, au gouvernement, le ministre du Travail, le ministre de la Jeunesse, d'introduire cette garantie jeune. Ça a été aussi une volonté en Europe, parce que nous sommes aussi conscients que ces réalités existent chez tous nos voisins européens, où il y a beaucoup de pays où un jeune sur 2 est au chômage. En France, il y a un jeune sur 4 qui se retrouve dans cette situation. Donc nous voulons non pas offrir un emploi, il ne s'agit pas de ça, mais offrir un accompagnement à des jeunes pour les former, pour les accompagner vers le marché du travail, et aussi pour leur faciliter un certain nombre de démarches, tout ce qui a été sans doute
proposer au cours de cette période et de verser une rémunération, une indemnité pour justement que le jeune puisse accéder à l'autonomie. Ça, c'est la garantie jeune. Elle a été expérimentée dans un certain nombre de départements et les résultats, et vous en avez une fois encore démontré la pertinence, les résultats ont été très encourageants. Donc aujourd'hui, nous avons l'objectif en 2015 d'offrir 50 000 garanties jeunes à toutes celles et à tous ceux qui pourraient être dans ce dispositif. Et en 2017, nous pourrions aller jusqu'à 100 000. Je veux rendre un hommage particulier aux missions locales, parce que faut-il encore que des personnes informent de l'existence de cette garantie jeune et puissent donner l'envie, le goût d'aller vers cette garantie, qui n'est pas une aide sociale, qui n'est pas une prestation, qui n'est pas une assistance, puisque souvent ces mots sont utilisés pour parfois stigmatiser un certain nombre d'allocataires. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un droit et pas une prestation, un droit pour des jeunes d'accéder à une formation qualifiante et un suivi et une aide à la recherche d'un emploi. Et au terme de la garantie jeune, un jeune sur deux trouve un emploi. On dira c'est trop peu. Et qu'est-ce que deviennent les autres? Et les autres, ils vont vers une formation supplémentaire et donc sont dans un chemin qui les conduira vers la réussite. Tout à l'heure, à l'instant même, vous faisiez la proposition d'avoir une journée d'information. Alors j'ai réfléchi à cette idée. Il y a aujourd'hui la journée d'appel préparation de défense. Tous les jeunes y sont convoqués, c'est obligatoire. Et cette journée est utile parce qu'elle permet de donner un certain nombre de formations pour la citoyenneté, mais nous pourrions la transformer en une journée utile à tous les jeunes qui s'y présenteront pour les orienter vers le meilleur dispositif. Ça peut être la garantie jeune, ça peut être le service civique, ça peut être de leur donner des informations sur l'année de césure, ça peut être de leur offrir une nouvelle expérience professionnelle. Bref, de faire en sorte que cette journée d'appel puisse être une journée d'espoir et une journée d'information. Donc, votre proposition sera traduite, puisque très vite, cette journée d'appel permettra de mobiliser tous les acteurs pour que toutes les informations soient données aux jeunes. Il n'y a pas de pire inégalité que l'inégalité dans l'accès à l'information. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui sont bien orientés et ceux qui ne sont pas bien orientés. Ceux qui ignorent tout des conditions quelquefois offertes par le gouvernement pour l'avenir de telle ou telle catégorie sociale, en l'occurrence ici d'une catégorie d'âge, la jeunesse. Et donc nous devons réduire toutes les inégalités en commençant par l'inégalité devant l'information. Donc cette journée, ça sera une journée d'égalité pour l'accès de tous aux formations et à l'information. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Mathilde. Mathilde, tu as 24 ans, tu es en licence de philosophie à la Sorbonne et tu es investie dans un projet CAPS, qui est un projet de colocation solidaire avec l'AFEV, et tu veux échanger avec le président autour des questions de logement. Monsieur le président, bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Donc moi aujourd'hui j'aimerais vous parler des conditions d'accès au logement, en particulier pour les jeunes et en particulier pour les jeunes étudiants salariés. Je me présente, je suis licenciée donc, en philosophie à l'université de la Sorbonne, je suis salariée, je travaille en tant que serveuse pour continuer à poursuivre mes études et je suis bénévole à la FEV, donc c'est une association que vous connaissez, depuis 3 ans au sein du dispositif CAPS. Donc à ce titre, j'ai la chance d'accéder à un logement du CROUS, donc avec des loyers plafonnés, qui ne sont pas ceux du prix parisien. Mais j'ai une chance que d'autres n'ont pas. Je ne peux pas vous parler d'accès au logement sans vous parler de ressources et de conditions de ressources. Pour parler concrètement, moi, Monsieur le Président,
pour des raisons proprement pratiques, je n'ai pas pu continuer mes études au domicile de mes parents. Donc, j'ai dû prendre un appartement dans le privé. Et pour ça, j'ai dû verser une caution. Et quand on n'a pas l'environnement familial derrière, et ben moi, cette caution, j'ai dû la verser en prenant un prêt bancaire. Un prêt bancaire que je continue à rembourser aujourd'hui. Donc, avec les petits boulots que j'occupe à côté de mes études. Donc, il y a plusieurs points que j'aimerais soulever avec vous. Les étudiants salariés occupent un statut complètement hybride. De un, parce que malgré tous les emplois, tous les CDD qu'ils peuvent enchaîner, voire parfois les CDI qu'ils occupent à temps plein à côté de leurs études, ils n'ont pas de droit à l'indemnité Pôle emploi. C'est-à-dire qu'un étudiant salarié n'est pas considéré par Pôle emploi comme un chômeur quand il se situe entre deux contrats de travail ou tout simplement quand il est en rupture de contrat avec son employeur. Donc, s'il n'est pas boursier du CROUS ou alors s'il est boursier du CROUS d'un échelon qui ne lui suffit pas à assurer son quotidien, et ben il se retrouve allé au Resto du Cœur, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes que je connais qui ont poursuivi leurs études, ou alors ils se retrouvent à accumuler des dettes de loyer. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ensuite, par rapport aux conditions d'accès au logement, il y a une loi qui avait été proposée par Madame Duflo, qui est la garantie universelle des loyers. Loi dont une modification a été apportée par votre gouvernement. J'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui et ce que vous voulez faire pour cette jeunesse-là. Parce que moi, Monsieur le Président, je vous parle d'une jeunesse qui cherche et qui veut à tout prix lutter contre la reproduction sociale, contre l'inégalité des chances. Elle croit à l'égalité des chances, mais Monsieur le Président, elle n'est pas acquise, elle est difficile, et on se bat, et on veut lutter contre ce schéma de reproduction sociale. Mais alors, l'État nous aide peu ou pas assez. Et effectivement, il y a des associations qui se bougent pour nous, qui nous offrent des dispositifs, qui nous donnent accès à des choses auxquelles on n'a pas accès parce qu'on ne vient pas d'un milieu favorisé, mais ce n'est pas suffisant. Et là où nos parents et là où notre famille n'a pas la main mise par manque de ressources financières, eh bien, je pense que c'est à l'État de prendre le relais. Parce que sinon, on tombe dans ce qu'on appelle la reproduction sociale. Et les enfants de ceux qui n'ont pas fait d'études sont condamnés à ne pas en faire, ou en tout cas à ne pas réussir à les terminer, parce qu'on n'a ni la sécurité, ni la sérénité pour le faire. Parce que c'est difficile de jongler entre une posture d'étudiant où on nous demande d'être autonome intellectuellement et une posture où on occupe un travail précaire, où on doit se contenter d'exécuter des consignes qui nous sont données par des employeurs. Donc voilà, il y a des problèmes pratiques, il y a des problèmes de posture. Donc moi j'ai 3 points à soulever. L'indemnité des étudiants salariés, car un étudiant salarié qui n'a pas de travail est un chômeur. Qu'en est-il ? La garantie universelle des loyers. Et 3e question, Monsieur le Président, comment vous justifiez la proposition de loi qui a été faite de supprimer les APL pour les étudiants non boursiers, quand on sait la situation des étudiants. Ça monte là, à l'applaudimètre. Bon, d'abord, il y a des principes que vous avez posés et qui valent pour tous les jeunes. Le premier principe, c'est l'autonomie. Quelle que soit son origine sociale, son milieu, ce que veut un jeune, c'est être autonome, y compris même quand il est avec des parents favorisés. A fortiori, quand les parents ont des difficultés et qu'ils ne peuvent pas en plus entretenir longtemps un jeune dans un parcours universitaire. Puisque l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui soient à l'université. Vous vous souvenez, il y avait eu cet objectif, il y a déjà plus de 25 ans, de faire en sorte que 80% d'une classe d'âge puisse aller au niveau du bac. Aujourd'hui, l'objectif d'ici 2020, c'est que la moitié d'une classe d'âge, 50% des jeunes, devraient aller jusqu'au niveau master pour que nous puissions leur donner, à condition que l'orientation soit également la meilleure, les conditions pour réussir leur vie. Donc l'autonomie, c'est le premier principe. Le second principe que vous avez posé, c'est l'égalité. Parce que les inégalités, elles arrivent vite. Elles arrivent même dès l'école, entre celles et ceux qui vont pouvoir avoir un parcours scolaire avec un accompagnement qui leur permettra, en cas de difficulté, de pouvoir suivre la vitesse des autres,
et puis d'être bien orientés, de pouvoir aller dans l'établissement qui leur paraît correspondre à leur faculté, puis enfin l'accès à l'université, l'égalité. Et quand il y a, dès le départ dans la vie, déjà une reproduction, c'est-à-dire que ce sont finalement les mêmes jeunes qui se retrouvent dans les mêmes difficultés que celles que connaissent leurs propres parents, alors nous ne sommes plus dans la promesse républicaine. Or, la promesse républicaine, c'est de permettre à chaque génération de réussir mieux que la précédente et de permettre qu'à l'intérieur de cette génération, les cartes puissent se rebattre. Il ne s'agit pas de punir celles et ceux qui viendraient d'un milieu favorisé. Qu'est-ce que serait cette conception de l'égalité ? Il s'agit de faire en sorte que celles et ceux qui sont de classe populaire, de milieu modeste, puissent accéder à toutes les conditions de la réussite. Autonomie, égalité. Alors comment fait-on ? Pour répondre essentiellement aux deux questions que vous m'avez posées. Première, trois, vous me direz la troisième si j'ai oublié les... La première, c'est quand on est étudiant et salarié, de pouvoir avoir une couverture sociale qui puisse permettre de vivre, tout simplement. Alors, il y avait une égalité de plus, qui était cette fois-ci générationnelle, qui faisait que ce qu'on appelait le RSA activité n'était pas accessible au moins de 25 ans, ou avec des conditions qui étaient tellement restrictives qu'il n'y avait que 8000 jeunes qui pouvaient y avoir accès. Nous allons donc créer, dans un projet de loi qui va être débattu au mois de juillet, qui sera voté très rapidement, nous allons créer la prime d'activité. Et cette prime d'activité, elle sera offerte à tous les Français, et d'ailleurs tous ceux qui vivent ici, qui travaillent, mais qui ne travaillent pas suffisamment pour avoir un niveau de revenu digne et décent. Et cette prime d'activité, elle n'aura plus de conditions d'âge, mais simplement, elle visera à encourager le travail. Ce n'est pas une allocation, ce n'est pas là encore une prestation, c'est une incitation forte pour travailler et pour faire que ceux qui travaillent puissent avoir un soutien particulier. Donc, elle sera ouverte aux étudiants ? Elle sera donc ouverte aux étudiants avec, bien sûr, une condition, d'avoir suffisamment d'heures travaillées, parce que s'il suffit d'avoir quelques heures, on réintroduirait une inégalité. Il ne sera pas tenu compte des ressources des parents, principe d'autonomie. Il sera tenu compte des heures travaillées et on sait que ceux qui travaillent généralement comme étudiants ne sont pas les plus favorisés. Donc en soutenant le travail des étudiants, on soutiendra la mobilité sociale, on permettra de lutter contre les inégalités. La deuxième question, c'est sur le logement. Là aussi, lorsque on peut être logé par ses parents, c'est une chance dans l'existence pour commencer sa vie, mais jusqu'à un certain âge. Et deuxièmement, lorsqu'on est étudiant dans une ville lointaine par rapport au domicile de ses parents, de toute manière, à ce moment-là, on est obligé d'aller chercher un logement. Et là encore, c'est une inégalité de plus. Les parents qui peuvent cautionner, peuvent permettre à leurs enfants de disposer à ce moment-là des moyens d'accéder au logement et pas les autres. Donc, nous avons créé la garantie locative étudiante qui est une forme de caution que l'État apporte en disant, si c'est l'équivalent de la GUL qui était dans la loi du Flot, si l'État apporte sa caution et si il y a un problème de paiement du loyer, c'est l'État qui viendra trouver la solution pour le propriétaire. Il y aura une légère cotisation, c'est normal, il y a un système de solidarité, et donc on pourra permettre à beaucoup plus de jeunes de pouvoir accéder au logement, en plus des 40 000 logements étudiants que nous avons construits, que nous allons construire d'ici 2017. J'ai retrouvé la troisième question, c'est une proposition, elle n'est pas celle du gouvernement. Nous n'allons pas mettre en cause les appels étudiants, parce que nous considérons que c'est fait partie justement de l'autonomie pour les étudiants de vivre leur vie. Merci beaucoup. Je vous demande de continuer vos applaudissements pour remercier Mathilde, Amadeus, Awa et Quentin.
et en même temps d'accueillir Élise, Mathieu, Clara et Noria. Alors, Clara, tu es syndiquée dans une organisation étudiante, l'UNEF. Tu as 21 ans et tu es étudiante en histoire et archéologie en licence à Paris. Et tu vas parler d'un sujet déjà un peu effleuré par le président de la République autour de la question de la prime d'activité et de son ouverture aux étudiants. Exactement. Alors, si je parle ici aujourd'hui, c'est en tant qu'étudiante et comme 45% des étudiants, je suis aussi salariée, à la fois durant l'été et à la fois je donne des cours, quelques heures de cours durant le week-end. Et si aujourd'hui j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir me salarier aussi peu, c'est parce que j'ai fait le choix de sacrifier mon autonomie et de continuer à vivre chez mes parents. Mais aujourd'hui, ce choix, il y a beaucoup d'étudiants qui ne l'ont pas. Déjà, il faut considérer que chaque heure de cours salarié, c'est un risque en plus de rater son année d'études. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de se salarier d'autant plus parce qu'ils ont des situations familiales et personnelles qui ne leur permettent pas de pouvoir s'en sortir autrement. Pour les étudiants, le budget mensuel est très souvent calculé à l'euro près et l'accès à la prime pour l'emploi qui était possible avant était importante et l'argent qu'ils recevaient par an était un droit vital pour leur permettre de vivre correctement ou moins mal au quotidien. Je suis très heureuse d'entendre aujourd'hui que les jeunes en formation auront accès à la prime d'activité qui va se mettre en place, déjà parce que c'est faire rentrer les jeunes dans le droit commun, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Cependant, aujourd'hui, mettre une limite, comme c'était le cas en tout cas jusqu'à il y a peu, de 0,8 SMIC pour avoir accès à la prime d'activité, c'est complètement ignorer les réalités des jeunes en formation aujourd'hui, où c'est difficile de demander à des étudiants qui doivent réussir leurs études à côté ou alors à des apprentis ou des stagiaires qui sont payés en dessous du SMIC de réussir à obtenir 900 euros par mois qui est la barrière nécessaire pour pouvoir avoir accès à cette prime d'activité. Et ensuite se pose la question du coup des jeunes qui ne peuvent pas travailler, des étudiants qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont dans des formations qui ne leur permettent pas de travailler, par exemple les étudiants en médecine, les étudiants en prépa, les étudiants en IUT par exemple qui ont des contraintes horaires par semaine beaucoup plus grandes et qui du coup n'ont pas cette possibilité de, d'avoir la chance, encore entre guillemets, de pouvoir travailler pour pouvoir financer leurs études. Du coup, maintenant la question c'est que faire des jeunes en formation qui aujourd'hui ne pourront plus toucher la prime pour l'emploi et ne pourront pas avoir accès à la prime d'activité et qui du coup auront le choix soit de se serrer encore plus la ceinture, soit de se salarier encore plus pour les étudiants avec les conséquences que l'on connaît sur nos chances de réussite. Et du coup, moi je vais vous demander quelles sont les mesures concrètes, Monsieur le Président, que vous allez mettre en place à la fois pour protéger les jeunes en formation qui ne pourront plus toucher la prime pour l'emploi, n'auront pas accès à la prime d'activité, pour les étudiants qui n'ont pas la possibilité de se salarier, et du coup pour les étudiants, non, la situation va s'aggraver, alors que dans le même temps, il n'y a ni réforme de bourse, ni réinvestissement dans nos aides sociales qui est annoncé et qui serait aujourd'hui la solution pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir accès à l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure. Alors, d'abord, les étudiants ne doivent pas nécessairement travailler pour mener à bien leur parcours universitaire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait une augmentation à la fois du nombre de boursiers et une augmentation des bourses des étudiants qui venaient des milieux les plus modestes. Il y a un jeune sur trois à l'université qui bénéficie d'une bourse, mais j'ajoute parfois à des niveaux très très faibles, qui leur permettent néanmoins d'accéder à un certain nombre de prestations. Et nous avons augmenté substantiellement
les bourses des jeunes qui étaient issus des familles les plus modestes. Et ces bourses devront être revalorisées parce que l'objectif, c'est de permettre, vous l'avez parfaitement rappelé, à des étudiants d'étudier et d'accéder ensuite au marché du travail. Si, et c'est souvent le cas, des étudiants sont amenés à travailler pour avoir un complément de revenus, on ne va pas les dissuader. Mais en même temps, on ne peut pas non plus considérer que c'est un statut que d'être à la fois étudiant et salarié. Il n'empêche qu'il y a des étudiants qui n'ont pas d'autre solution que d'être salarié. Et c'est là que la prime d'activité a été considérée comme nécessaire. Non pas pour être une bourse, mais pour être l'encouragement et la valorisation du travail. Il a fallu fixer un seuil, et vous avez raison. Le seuil est élevé, 0,8 fois le SMIC. Il n'y a quand même pas beaucoup d'étudiants qui sont à des niveaux de salaire. Même si leur travail est payé au SMIC, ils ne sont pas sur des durées de travail qui sont celles du plein temps. Mais on ne pouvait pas distinguer selon qu'on était étudiant ou selon qu'on était jeune en formation ou que l'on était salarié. Donc on a pris les jeunes en situation de travail, quel que soit leur parcours universitaire ou apprentissage ou formation ou emploi. Je veux terminer là-dessus parce que je considère que pour les jeunes, la précarité est vraiment le problème principal. C'est-à-dire que, et ça a été rappelé, l'entrée dans la vie active avec un contrat à durée indéterminée a été repoussée, ce qui nuit à tout engagement, tout investissement, toute vie possible sur le plan personnel. Donc nous devons, avec les partenaires sociaux, et j'y reviendrai, donner un environnement différent pour les jeunes, avoir des mécanismes d'entrée sur le marché du travail qui soient plus simples, qui soient plus durables et qui permettent aux employeurs de pouvoir là avoir des jeunes qui puissent s'investir dans l'entreprise et aux jeunes de pouvoir avoir une projection quant à leur vie professionnelle et à leur vie personnelle. Pour ce qui me concerne, je considère que c'est vraiment dans l'entrée sur le marché du travail que les pouvoirs publics doivent se mobiliser. La garantie jeune est une réponse, l'emploi d'avenir en est une autre, mais c'est surtout les créations d'emplois dans les entreprises, y compris même par l'apprentissage. Et j'ai voulu que cette voie puisse être utilisée comme une voie d'excellence. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire rentrer précipitamment des jeunes sur le marché du travail, c'est de permettre qu'ils puissent se former. Mais pour ceux et celles qui décideraient d'entrer sur le marché du travail, c'est de leur permettre d'avoir un contrat à durée indéterminée. C'est ça l'objectif que je me suis fixé. Merci. Je vais passer le Mathieu. Merci. Je vais donner la parole à Mathieu. Tu as 23 ans et tu n'as pas forcément un parcours ordinaire. Tu as été adolescent et adolescente, tu as été placé dans une famille d'accueil avec le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. C'est quelque chose que peu de jeunes, là aujourd'hui dans la salle, il y en a beaucoup qui sont présents avec notamment Apprenti d'Auteuil, mais dans la vie de tous les jours, on rencontre peu de jeunes. Et donc, toi, tu voulais interpeller le président autour de cette question et notamment du contrat jeune majeur. Oui, bonjour, monsieur le président. J'ai eu de la chance, à partir de l'âge de 18 ans, de bénéficier du contrat jeune majeur, c'est-à-dire une prolongation de l'accompagnement. Et si ce contrat était bénéfique au début de ma prise en charge, elle a été moins à ma sortie. En effet, la prise en charge s'est arrêtée brusquement le jour de mon anniversaire en mars, sans que je puisse terminer mon parcours scolaire et mes projets que j'ai commencé à réaliser. Mais je peux être fière, car malgré tout, j'ai obtenu mon BTS, l'entrée en licence et l'obtention de mon permis. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est d'être très inégalitaire envers chaque jeune bénéficiaire de ce contrat, en fonction de diverses raisons. En effet, en fonction de la structure accueillant le jeune majeur, les subventions ne sont pas les mêmes et les jeunes ne bénéficient pas tous des mêmes ressources. Il sera souhaitable que l'égalité entre chaque bénéficiaire du contrat jeune majeur se fasse dans toutes les structures et le suivi des jeunes se fasse de manière à aider les jeunes à construire des projets concrets pour la vie des jeunes adultes.
En conclusion, depuis l'arrêt inopiné de mon contrat jeune majeur et depuis la fin de mes études, le monde du travail s'ouvre difficilement à moi. Je ne peux bénéficier d'aucune aide et le milieu d'aide sociale ne se préoccupe plus de ces jeunes. Mais j'ai trouvé en moi, dans le milieu de l'associatif, un repère de vie et de sociabilité qui permet d'avoir une expérience de vie, car je suis engagée dans, dans des instances de jeunesse qui méritent d'être connues. Beaucoup de jeunes aimeraient être entendus. Pour cela, j'ai une question, Monsieur le Président. Quelles améliorations pourrait-on envisager pour mieux accompagner les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance vers une autonomie réelle? Moi, je voudrais d'abord vous remercier pour votre témoignage, car il y a peu aujourd'hui d'expressions des jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, comme si c'était un poids qui pesait sur eux, alors qu'ils n'y sont absolument pour rien, comme s'ils devaient taire la situation qui est la leur, d'avoir été placés, comme si il y avait comme une forme de dette à l'égard de la société, alors que c'est la société qui est en dette par rapport à ces jeunes. Et l'expérience qui était la vôtre, c'est que votre contrat jeune majeur, il s'est arrêté à 21 ans. Comme ça, parce que c'est la règle. Vous étiez, vous l'avez rappelé, en BTS, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Vous ne pouvez plus avoir le contrat. Vous n'avez plus de ressources. Et vous aviez fait pourtant l'effort de vous former avec un niveau élevé, le BTS. Et comment, puisque vous n'avez plus de structure familiale, plus de parents de référence, comment faire quand on est un jeune majeur, sans doute, mais un jeune tout seul, dont la seule garantie, c'est l'État, dont le seul service, c'est le conseil départemental dont vous dépendez. Et vous avez insisté sur le fait que c'était très inégalitaire, c'est-à-dire parmi ceux qui sont les plus touchés par l'inégalité, il y a encore des inégalités qui se rajoutent, selon les territoires, selon les conseils départementaux, ce qu'on appelait les conseils généraux, selon les systèmes et les dispositifs. Ce qui fait qu'un jeune placé, un jeune à l'ASE, dans un département, et un autre dans un département voisin, n'a pas le même service, n'a pas le même parcours, n'a pas le même droit. Alors, on a fait des études, parce qu'en France, on fait beaucoup d'études sur les situations sociales, pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Et on a découvert, et c'était quand même tout à fait affligeant pour finalement l'investissement qui avait été fait à travers l'aide sociale à l'enfance, que beaucoup de ces bénéficiaires, entre guillemets, étaient souvent dans les plus grandes difficultés dans leur vie d'adulte. Comme si ça continuait à les poursuivre, comme si cette fatalité, elle devait durer toute la vie et pas simplement pendant l'enfance. Et on a même eu cette révélation que beaucoup de ceux qui sont dans la rue étaient passés par l'aide sociale à l'enfance. Alors, face à ce constat, et vraiment, je vous remercie de l'avoir porté, nous devons changer les règles pour que le contrat jeune majeur ne s'arrête pas à l'âge anniversaire, mais s'arrête au parcours de formation. Ce qui aurait changé pour vous, ce qui vous aurait permis d'être accompagné jusqu'à la fin de votre BTS, pour que les dispositifs soient les mêmes partout sur le territoire. Donc il y aura une proposition de loi, celle-là, nous allons la soutenir, une proposition de loi qui va justement permettre l'accompagnement des jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, pour que ça puisse être finalement une chance d'être passé par là, et pas une charge. Donc nous avons des devoirs, vous avez des droits, et le premier devoir, c'est de reconnaître vos droits. Merci. Je vais passer la parole à Noria. Tu as 21 ans, tu as un CAP couture décor, et tu as fait ton service civique à Unicité, à Toulouse. Unicité, on le voit bien avec les t-shirts orange qui sont dans toute la salle.
Et tu voulais évoquer avec le président de la République les questions du service civique et aussi de son ouverture plus large. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, alors j'ai effectué mon service civique il y a maintenant 3 ans à Unicité Toulouse. Ça a été une expérience inoubliable et pleine de sens, puisque pendant le service civique, on consacre 9 mois à aider les autres, à aider des gens qui sont dans le besoin. Et au-delà de ça, on est aussi dans une équipe de 8 jeunes, 8 jeunes avec des parcours totalement différents les uns des autres. Et c'est bien ça le plus riche dans ce dispositif, c'est le lien entre nous, le lien entre les jeunes, et de rencontrer des jeunes qui viennent de tout horizon. C'est génial puisque je trouve que la mixité sociale, elle se crée parfois. Et ce dispositif prouve bien qu'on peut, faire rencontrer toutes les classes sociales dans notre pays. Et je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce dispositif. Mais j'avais une question à vous poser. Je pense qu'actuellement, ce dispositif n'est pas assez ouvert aux jeunes de quartier, aux jeunes sans diplôme, aux jeunes qui n'ont pas forcément tout le temps les codes, qui ne vont pas se diriger vers une mission locale, qui ne vont pas aux séances d'information que nous faisons sur le terrain. Et j'ai une question, Monsieur le Président. J'aimerais que ce dispositif puisse toucher tous les jeunes. Que comptez-vous faire pour que ce dispositif touche tous les jeunes ? Bon, d'abord, merci à tous ceux qui et toutes celles qui s'engagent dans le service civique, parce que vous l'avez voulu, parce que vous l'avez eu. Mais le service civique, vous avez parfaitement raison, ce n'est pas un concours. Et ce n'est pas non plus une voie pour des jeunes qui auraient des diplômes ou qui viendraient de certains territoires plutôt que d'autres. C'est une voie qui est ouverte à tous les jeunes qui veulent s'engager pour les autres et pour eux. Parce que, vous l'avez bien montré, quand on s'engage pour les autres, on progresse soi-même. On se rend service en rendant service à tous. Et le service civique, c'était resté une intention, une belle intention, mais presque comme un club fermé, où on chuchotait la possibilité de faire un service civique, puisqu'il y en avait 25 à 30 000 l'année dernière. Et encore moins en 2012. Et j'ai voulu que ça soit connu de tous et que ça puisse être ouvert à tous. À tous, entre 18 et 25 ans. Avec parfois des dérogations, même quand c'est possible et qu'il y a un jeune qui veut absolument faire son service civique avant 18 ans. Et puis, j'ai voulu que ce soit à la portée de tous. D'où l'indemnisation qui permet de survivre dans le contexte du service civique. Et puis, vous me dites, mais c'est vrai, on n'est pas informé du service civique. Et il y a des territoires, et notamment les quartiers, qui ne sont pas irrigués par le service civique. Ils voient quelquefois des maillots orange, parfois d'autres avec d'autres gilets. Mais ils se demandent ce qu'ils viennent faire. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Ils pensent que c'est un service de la municipalité, c'est parfois un service de la municipalité. Ils pensent que ce sont des contrats pour l'emploi. Ce n'est pas des contrats pour l'emploi. Un service civique, ce n'est pas un emploi, c'est une mission. Donc, alors, j'ai répondu tout à l'heure à la question, et je vais le faire encore plus précisément. Dans la journée, la fameuse journée, où on est supposé, finalement, se faire recenser. C'est ça, l'idée, se faire recenser. Où on est là pour faire comme si on allait faire son service national d'un jour. Eh bien, pour que ce soit pleinement utile, il doit y avoir toutes les informations sur tous les dispositifs. Et la personne qui sera en face de chaque jeune dira « Est-ce que vous voulez faire un service civique ?» Alors, peut-être beaucoup de jeunes diront « Mais c'est quoi un service civique ?» On leur donnera toute l'information. Et ensuite, chaque jeune qui demandera à faire son service civique aura un service civique. On ne lui dira pas « non, ce n'est pas pour vous » ou « plus tard » ou « formez-vous ». Non, chaque jeune qui en fera la demande fera un service civique. C'est le service civique universel. Et c'est pourquoi on doit
et je lance un appel ici, au-delà de vous, à toutes les administrations, ça, je m'en occupe, à toutes les collectivités, à toutes les associations, mobilisez-vous, c'est vous qui allez vous mobiliser pour proposer aux jeunes plein de missions. Et il y en a d'innombrables missions pour l'écologie, pour l'éducation, pour l'accompagnement des jeunes, pour le suivi des personnes âgées, mais plein d'idées. Et quand vous, les administrations, les collectivités, les associations n'auront pas d'idées, les jeunes donneront leurs idées pour proposer eux-mêmes des missions de service civique. Et on a aussi la volonté que plusieurs jeunes puissent se proposer pour faire ensemble le service civique sur une mission particulière. Et pour que la France soit fière de ces jeunes, la France, elle doit mettre à la disposition des jeunes toutes les ressources de l'engagement. Et on s'apercevra que dans les quartiers populaires, qu'avec toute la diversité qui est la nôtre, il y a plein d'énergie, il y a plein d'engagement, et qu'il y a comme une forme de reconnaissance à l'utilité sociale, à l'utilité collective. Et le service civique, c'est non pas une contrainte, non pas une obligation, ça ne sera jamais une contrainte, jamais une obligation, ça sera une chance pour la France. Merci à vous. La dernière personne à prendre la parole, c'est Élise, qui a 25 ans. Tu es originaire des Deux-Sèvres et tu travailles aujourd'hui dans une coopérative sur la filière bois dans les Côtes d'Armor. J'ai précisé les Deux-Sèvres parce que pour certains, c'est notamment le milieu rural que tu as connu dans ton enfance et dans ta jeunesse. Et c'est là-dessus que tu veux interroger le président de la République. Exactement. Alors moi, j'ai grandi dans un lieu-dit de 8 habitants qui porte bien son nom parce qu'il s'appelle Mini. Alors, quand vous grandissez en milieu rural, et plus particulièrement à Mini, vous êtes très vite confronté au problème de la mobilité. Mon lycée était à 25 km. Pour y aller, on s'arrêtait dans tous les autres villages. Et je mettais 2h30 à faire le trajet aller-retour, ce qui laisse peu de temps au loisir. Pour consulter le médecin ou aller faire les courses, il nous fallait parcourir une petite dizaine de kilomètres depuis Mini. De chez moi, le premier cinéma est à 30 minutes de route. Et quand vous n'avez ni permis de conduire, ni voiture, c'est à vos parents de vous y amener. Même topo pour le sport ou la musique. Je me demande souvent combien de kilomètres ont pu parcourir mes parents dont les 4 enfants exerçaient un sport et apprenaient le piano, la clarinette ou la batterie. Quand vous grandissez en milieu rural sans voiture et avec très peu de transports en commun, votre mobilité est très vite restreinte et vous êtes dépendant des autres pour vous déplacer. Bon, malgré tout ça, il n'y a pas rien dans mon village. Il y a le foot, le théâtre et les associations d'éducation populaire comme le MRJC qui bien souvent animent nos campagnes et nous ouvrent à la rencontre et à la découverte du monde. Grâce à mes études, à mon engagement associatif, mais aussi grâce à mes parents, j'ai pu voyager, partir. Et alors j'ai réalisé que ma situation n'avait rien de normal et que mon village et ses habitants étaient progressivement coupés de tout. Cependant, je ne suis pas venue ici pour dépeindre une image terne du milieu rural, car je perçois la diversité de nos campagnes comme autant de richesses, autant de lieux de projet, autant d'espaces où les jeunes inventent les solutions de demain. Parce qu'il nous faut coopérer et parce qu'il faut nous prendre en main si nous voulons que nos territoires soient vivants et accueillants. Cependant, je constate aujourd'hui que nous cherchons à nous déplacer toujours plus vite entre deux villes, que les lignes ferroviaires sont toujours plus rapides et ne s'arrêtent pas chez nous. Ainsi, certains endroits deviennent des territoires de passage, voire des territoires du passé. Je constate aussi que de nombreux jeunes ruraux sont aujourd'hui repliés sur eux et qu'ils sont coupés de plein de possibilités qu'on ne leur offre pas un avenir prometteur. Ainsi, Monsieur le Président, je me questionne sur la notion d'égalité. Ne pensez-vous pas que nous réfléchissons aujourd'hui l'aménagement de nos territoires en sens unique, c'est-à-dire à partir des métropoles et plus globalement du monde urbain? Ne devriez-vous pas vous saisir des leviers attractifs et innovants que sont le monde associatif et la jeunesse dans l'élaboration des politiques publiques et notamment dans celle de l'aménagement et du développement des espaces ruraux? Alors,
Alors, je vais vous faire un aveu. Je ne connaissais pas Mini dans les Deux-Sèvres, mais je vais m'y rendre assez rapidement pour voir ces 8 habitants qui doivent être vos parents et vos grands-parents, donc votre famille. C'est une maxi famille pour un mini village. Mais vous êtes là aussi l'expression, porte-parole de beaucoup de jeunes qui vivent dans les territoires, dans les espaces ruraux. Alors, on aurait pu parler des espaces urbains, des quartiers, on en a parlé d'ailleurs. Et là, vous évoquez la ruralité, que je connais bien. Les mêmes principes valent qu'on habite un territoire rural ou qu'on habite un territoire urbain ou suburbain. C'est l'autonomie, donc la mobilité. Est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux être capable de vivre avec tous les moyens, tous les services qui peuvent exister dans les métropoles. Et c'est une vraie difficulté. Alors, vous avez rappelé le transport scolaire. Transport scolaire assuré par les conseils départementaux, qui coûte cher, mais qui en même temps sont un service irremplaçable, qui permettent d'arriver à l'école ou au collège après avoir traversé tous les villages du canton, voire même au-delà. Et parfois, ça fait rentrer tard. Mais c'est un service qui est rendu. Et nous voulons aussi qu'il y ait plus de moyens de transport dans les territoires ruraux. Ça sera d'ailleurs l'objet de ce qu'on appelle la loi Macron pour favoriser de nouveaux systèmes de transport. On va faciliter les transports, notamment par car. Mais je reviens à ce que l'on peut proposer à des jeunes dans l'espace rural. D'abord, le numérique change beaucoup. Dans votre génération, par rapport à la précédente, vous avez accès au numérique, donc vous êtes dans le réseau, vous êtes dans le monde. Avant, c'était très difficile d'accéder même à l'information, à la culture, au savoir. Ensuite, les territoires ruraux doivent avoir aussi des lieux d'engagement et d'expression. À cet égard, le service civique peut trouver un moyen d'accomplissement aussi dans les territoires, surtout dans les territoires ruraux, pour lutter contre l'isolement. Et puis, il y a aussi, je salue là les mouvements de jeunesse qui se sont constitués depuis très longtemps dans les espaces ruraux et qui font qu'il y a maintenant des fabriques, des territoires ruraux, et qui rassemblent des services publics, des associations, des partenaires sociaux, quelquefois, pour offrir une vie d'engagement dans les territoires ruraux. Alors ensuite, vous évoquez souvent le sentiment qu'ont les personnes qui vivent, quel que soit leur âge d'ailleurs, dans les territoires ruraux par rapport aux métropoles. Et c'est un risque que nous pouvons rencontrer. Nous sommes dans une société où on pense que c'est toujours mieux à côté et ailleurs, qu'il en est toujours fait plus pour les autres ailleurs. Ceux qui sont dans les quartiers que l'on dit difficiles pensent qu'on n'en fait jamais assez pour eux. Et d'une certaine façon, ils ont raison, compte tenu des inégalités qu'ils subissent. Ceux qui vivent dans les centres-villes pensent qu'on en fait toujours pour ceux qui sont défavorisés, alors même que les centres-villes ont généralement tous les lieux de création, tous les lieux d'exposition, tous les lieux de service. Ceux qui sont dans les espaces ruraux pensent que, alors même qu'il y a beaucoup de services publics qui sont préservés, heureusement, et notamment pour l'école, que finalement ils sont oubliés. Alors, ce qui fait que nous pouvons connaître un malaise comme nous le vivons aujourd'hui, c'est cette fragmentation, c'est cette espèce de division entre nous. Les métropoles, elles permettent de créer de la richesse et souvent de la solidarité, parce que les métropoles sont aussi sur des espaces ruraux. Mais si les métropoles prennent toute la richesse, qu'est-ce qui restera pour la vie de nos territoires? Or, vous avez raison, la qualité de nos paysages, l'agriculture, l'artisanat, tout ça, ça existe et doit être développé dans les espaces ruraux. Donc ce que nous avons en tête, à l'esprit pour notre pays, c'est l'unité de tous les territoires. Ne pas avoir le sentiment qu'on est oublié, qu'on est abandonné, qu'on est séparés les uns des autres. Et là aussi, je voulais dire à la jeunesse, si elle a une mission, si elle a même un devoir, c'est de permettre l'unité de la France et de la République. On fera tout pour vous diviser, entre vous,
selon vos origines sociales, selon vos territoires, parfois même selon vos religions. On fera tout pour vous diviser. Et vous, jeunesse de France, vous devez rassembler le pays, lui montrer qu'il peut réussir ensemble et pas séparément, qu'il y a une volonté collective qui peut s'exprimer. Et c'est votre génération qui doit mener ce combat-là. S'il y a un combat pour la République que vous devez engager, c'est celui-là, l'unité de la République, l'unité de la France et la solidarité entre nous et entre vous. Merci. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci à Mathieu, merci à Élise, merci à Clara et merci à Noria pour cette deuxième temps d'échange avec le Président de la République qui se conclut dans cette enceinte du Conseil économique, social et environnemental, plein de jeunes. Je vous assure, pour y aller toutes les semaines ici, ça fait plaisir de voir une assemblée, un hémicycle plein de jeunes. Et donc j'espère qu'un jour, là aussi, la République sera capable d'ouvrir ses assemblées à la jeunesse, parce que c'est une vraie chance qu'on a, nous quatre, dans ce groupe, de pouvoir participer. Et on espère qu'on vous l'aura fait partager un peu. Monsieur le Président de la République, c'est à vous. Monsieur le Président, une fois encore, merci de nous avoir permis d'utiliser, d'occuper le Conseil économique, social et environnemental, qui est le lieu du dialogue social, le lieu aussi où les forces vives se retrouvent pour porter un certain nombre de messages au pouvoir public et à la nation. Je remercie d'abord tous ceux qui ont voulu cette rencontre et qui l'ont animée pour qu'elle soit la plus directe possible, la plus franche. Je sais quelles sont les attentes. Je mesure quels sont les problèmes. Je veux aussi ne rien ignorer des difficultés que beaucoup rencontrent dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, l'accès aux soins, dans la vie, tout simplement. Or, une société n'a pas le droit de laisser des jeunes douter de leur avenir. C'est pourquoi j'ai fait de la jeunesse la priorité de mon quinquennat. Parce que j'ai considéré que la jeunesse, c'était la vitalité, la diversité, la créativité du pays. J'ai aussi voulu dire tout simplement que la jeunesse, c'était une chance et pas une charge. Que la jeunesse, c'était non pas un problème, mais une promesse. Et que la jeunesse, c'était une force et pas une menace. Et si j'ai un message, une fois encore, à vous délivrer, c'est que la France, le pays, votre pays, a besoin de vous et qu'il ne fera pas sans vous et encore moins contre vous. La France, elle a besoin d'un idéal, elle a besoin d'une énergie, elle a besoin d'un enthousiasme. Et c'est votre génération, parce que vous êtes plus jeune que les autres, qui portez cette espérance. La jeunesse, celle que vous représentez ici dans votre diversité, ne réclame pas de l'assistance, mais de la constance. Et c'est cette constance que j'ai voulu, depuis 3 ans, mettre dans l'action des pouvoirs publics. Je salue ici le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais aussi de la Ville. J'ai voulu qu'il y ait cette constance-là dans l'action du gouvernement. Et que nous puissions marquer à chaque étape de la vie d'un jeune ce que nous pouvions faire pour sa réussite. La première réussite, c'est celle que nous devons offrir par l'école de la République. Et c'est la refondation de l'école que j'ai voulu, que j'ai engagée dès 2012. La refondation de l'école, c'est à la fois d'élever le niveau des connaissances, de faire que vous puissiez, ou en tout cas ceux qui vont maintenant être sur les bancs de l'école, disposer du savoir, de la connaissance, de l'excellence même, pour la réussite. La refondation de l'école, c'est aussi de réduire, de lutter contre les inégalités, celles qui se constituent dès le départ et qui vous suivent tout au long de la vie, qui vous rappellent
votre échec du départ pour mieux justifier l'échec de la fin. Alors, l'école, ça doit être aussi la promesse d'une société égalitaire. Non pas qu'il faudrait que chacun puisse avoir le même parcours, mais que chacun puisse réaliser son destin et même son rêve de faire le métier qu'il a un moment imaginé et pas simplement celui qu'on lui a proposé parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le mettre sur un parcours. Et puis, la refondation de l'école, c'est aussi de permettre à chaque jeune d'être un citoyen et donc de lui donner non pas l'apprentissage de ce qu'est la République, mais la connaissance de ce qu'est la République. Alors, pour assurer cette refondation de l'école, il a fallu d'abord avoir une idée toute simple, qui était de former les professeurs. Car aussi étrange que cela puisse paraître, en 2012, il n'y avait plus d'école du professorat. Les jeunes qui passaient le concours pour devenir enseignants étaient immédiatement mis devant une classe en pensant que le métier ne s'apprenait pas. Et donc, depuis 2012, tous les enseignants, les jeunes enseignants, sont formés dans une école du professorat. Il y a eu une deuxième idée qui a été contestée, combattue. C'était celle des rythmes scolaires. Faire que les enfants, les plus jeunes qui accèdent à l'école, puissent être 5 matinées plutôt que 4 dans leur établissement. Il y avait là aussi une étrangeté en France, c'est qu'il y avait moins de jours d'école pour les écoliers français que pour leurs voisins en Europe. Donc nous avons permis qu'il y ait plus de jours à l'école. Et nous avons voulu aussi qu'il y ait des apprentissages dans le cadre des rythmes scolaires pour la culture, pour le sport, pour l'éveil. Ça a été contesté parce que pour beaucoup de collectivités, c'était effectivement un coût supplémentaire, mais c'était en fait un investissement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des contestations sur les rythmes scolaires? Est-ce que les parents eux-mêmes, il y en a toujours qui pourraient trouver à redire, voudraient que l'on remette en cause ce qui a permis dans beaucoup d'écoles de France d'offrir à des écoliers qui n'avaient jamais eu une pratique culturelle, jamais eu un accompagnement pour l'éveil à des disciplines sportives, d'avoir enfin ce droit. J'ai voulu également qu'il puisse y avoir une scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Là aussi, on nous dira, mais pourquoi scolariser aussi tôt? Mais parce que c'est une condition pour lutter contre les inégalités. J'ai voulu aussi qu'il y ait davantage de moyens qui soient accordés aux établissements qui étaient dans des quartiers supposés difficiles. C'est l'éducation prioritaire. Nous allons dégager 60 000 postes sur le quinquennat. La moitié ont déjà été pourvus. Et nous faisons en sorte qu'une partie de ces moyens soit affectée là, sur les territoires ruraux, sur les territoires urbains, où il y a le plus de difficultés pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre le décrochage scolaire. Et pour ceux qui avaient décroché, hélas, on l'a dit trop souvent, trop tôt, du système scolaire, nous avons introduit un droit à une deuxième chance, c'est-à-dire à une formation qui peut être proposée à tout moment à un de ces jeunes, il y en a peut-être ici, qui sont sortis très tôt du système scolaire parce qu'ils en avaient assez ou parce qu'ils n'y trouvaient pas là leur compte et qui découvrent qu'ils sont privés des capacités qui pourraient leur donner davantage de chances pour réussir leur vie. Alors, ceux-là auront droit à une formation de la seconde chance. J'ai voulu aussi qu'il puisse y avoir une réforme du collège, pour qu'il y ait plus d'autonomie pour les établissements, plus d'accompagnement pour les élèves, plus de pédagogie différenciée, et également plus de langue vivante. Alors, il y a toujours un débat par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Là, les langues vivantes, la première langue sera enseignée dès le cours préparatoire, dès le CP. Et la deuxième langue vivante sera enseignée dès la cinquième. C'était aujourd'hui en quatrième. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un certain nombre de situations qui étaient meilleures
dans un certain nombre d'établissements, souvent les mêmes, et pas dans les quartiers difficiles. Alors j'entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants, ceux qui, au nom de l'intérêt général, supposé, défendent leur intérêt particulier. Ça peut arriver. Ceux qui voudraient que rien ne change, que rien ne puisse être modifié dans ce qui est finalement souvent le chemin de la reproduction. Eh bien non, c'est terminé. Il y aura aujourd'hui, et à partir de cette réforme, davantage d'enseignement des langues, mais pour tous les élèves. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre l'allemand, ils pourront l'apprendre dès la cinquième. Et s'ils la choisissent en première langue, dès le CP. Et c'est pourquoi nous allons créer davantage encore de professeurs, de postes de professeurs en langue allemande. Oh, je pourrais aussi parler de l'enseignement du latin et du grec, discipline essentielle, qui était aujourd'hui proposée par option et qui d'ailleurs s'inscriront maintenant dans la réforme du collège, dans le parcours des jeunes collégiens. Et j'en vois qui défendent avec la dernière énergie le latin et le grec. J'en suis très heureux pour ces disciplines. Et je crois qu'ils sont sincères, mais ils savent bien que souvent ces options étaient le moyen d'accéder à certains établissements plutôt qu'à d'autres. Je ne veux pas remettre en cause, au contraire même, ces enseignements, parce qu'ils permettent d'avoir justement cette culture qui est nécessaire pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, y compris avec les langues anciennes. Je vois un débat sur l'histoire. Je suis très attaché à l'histoire. Je pense que pour la génération qui est la vôtre, il est fondamental de savoir d'où nous venons, comment s'est construit notre pays, avec quel apport successif des mouvements d'idées, des cultures qui se sont ajoutées, des ruptures et des continuités, d'où l'importance de comprendre la chronologie, comment les événements se succèdent les uns les autres. Et je serai très attaché à ce que l'histoire puisse être enseignée avec justement cette logique, cette compréhension, pour que tous les élèves de France puissent s'approprier l'histoire de leur pays et savoir même, justement, à travers la diversité des parcours, la diversité des origines, comment toutes ces générations se sont succédées pour faire que nous soyons un grand pays comme la France. L'histoire, elle est essentielle pour préparer l'avenir. Mais nous avons aussi à donner à tous les jeunes davantage d'accès à la modernité, à la technologie, au numérique. Demain, je présenterai un grand plan numérique pour les collèges, de façon non seulement à les équiper tous, mais à faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi davantage d'enseignants formés, davantage de partage des contenus, parce que vous, vous êtes la génération du numérique, mais vous devez être aussi formés à l'apprentissage de cette technique et ne pas en être finalement dominé par elle. J'ai voulu donc que l'école puisse être refondée pour qu'elle puisse nous donner le socle à partir duquel la jeunesse de France puisse être placée sur le chemin de la réussite. Mais il y a, et beaucoup de questions m'ont été posées, l'université. L'université doit être pour nous la condition de notre réussite collective. Plus d'étudiants, mieux orientés, mieux formés, mieux accompagnés, c'est la condition pour que la France puisse réussir dans la mondialisation. Il y a une compétition entre les nations, y compris sur la question des universités. Nous devons être là encore dans l'excellence. Il doit y avoir plus d'étudiants, mais il doit y avoir aussi pour ces étudiants les conditions pour réussir leurs études. Rien n'est pire que de voir un étudiant, une étudiante abandonnée en cours de route, après tous les sacrifices qui ont été faits par les parents, par les jeunes eux-mêmes, et avoir cette désolation, ce découragement de ne pas avoir été jusqu'au bout et d'avoir été obligé d'arrêter. Donc, les bourses, nous en avons parlé, mais aussi les conditions de travail des étudiants, la prime d'activité, tout cela permettra aux jeunes de France de pouvoir accéder davantage qu'aujourd'hui à des études de qualité. Il y a toutes les conditions pour le logement. J'ai indiqué la garantie qui sera accordée pour les locations, la caution de l'État qui sera apportée, les constructions de logements. Je veux que nous puissions être les plus accueillants possibles pour
les étudiants qui vivent en France, mais aussi pour les étudiants étrangers. J'en ai eu aussi l'exacte vérification partout où je suis allé dans le monde, où les pays m'ont dit « Est-ce que nous pouvons envoyer nos meilleurs étudiants dans les universités françaises ?» J'ai répondu « Oui ». Mais il y avait tellement de difficultés, tellement de visas qui n'étaient pas accordés, tellement de passeports qui n'étaient pas autorisés, qu'on avait finalement tant d'étudiants qui voulaient venir en France et qui ne le pouvaient pas, eh bien, ça en sera terminé, parce qu'un grand pays doit être aussi un pays d'accueil pour les universités. Je voulais aussi vous parler de la mobilité étudiante. Il y a un grand programme qui s'appelle Erasmus en Europe et qui permet aux jeunes de voyager. C'était essentiellement, exclusivement réservé aux étudiants. Et j'ai voulu, et ça a été une décision européenne, que ce programme Erasmus puisse être proposé à tous les jeunes en formation. Qu'ils soient en apprentissage, en formation professionnelle, ils pourront désormais voyager partout en Europe dans le cadre de ce programme. Et on a augmenté les crédits de 40% pour que vous puissiez tous pouvoir connaître cette mobilité, cette possibilité de voyager partout en Europe. Refondation de l'école, université ouverte au plus grand nombre pour des parcours d'excellence. Et enfin, l'emploi. Je sais bien que c'est la question majeure et que pour beaucoup de jeunes, c'est à la fois une inquiétude par rapport à la situation d'aujourd'hui, la précarité dans laquelle beaucoup sont en ce moment, et en même temps une interrogation sur l'avenir. Est-ce qu'il y aura encore des métiers qui pourront permettre des emplois durables? Est-ce qu'il y a une place encore pour la génération d'aujourd'hui dans l'économie de demain? À ces questions, j'ai voulu répondre. D'abord, sur le plan économique, en prenant des décisions pour que les entreprises puissent créer des emplois. Je n'ai pas accordé davantage ou de soutien ou de subvention aux entreprises. J'ai fait en sorte qu'elles puissent être dans les conditions d'embaucher avec ce pacte de responsabilité où chacun doit s'engager. Et nous ferons l'évaluation dès l'été pour savoir si les entreprises, compte tenu de la situation économique, ont rempli finalement tous les engagements, toutes les attentes qui étaient portées sur elles. Et en même temps, faire que ce soit pour l'embauche, et notamment l'embauche des jeunes, que les efforts puissent être engagés. Mais j'ai voulu aussi qu'il puisse y avoir des dispositifs. C'est vrai qu'il y a trop de dispositifs. Et c'était ce qui ressortait des échanges que nous avons eus tout à l'heure. Tellement de dispositifs que, parfois, vous n'y comprenez plus rien. Et vous ne savez pas ce qui est véritablement possible ou ce qui est simplement réservé à telle ou telle catégorie. Alors, nous allons simplifier. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait toujours les emplois d'avenir. Nous en avions promis 150 000, il y en a aujourd'hui plus de 200 000. Qu'il y ait cette garantie jeune qui a suscité tellement d'intérêt, et notamment par rapport à ces jeunes qui sont sans emploi ni formation, et qui étaient jusqu'à présent oubliés, effacés même des statistiques, y compris celles du chômage. Donc cette garantie jeune qui va être élargie, il y en aura 100 000 qui seront proposés, en plus des emplois d'avenir. J'ai voulu également que l'apprentissage puisse être une voie d'excellence, d'ailleurs pour tous les âges, pour tous les métiers, et nous avons fixé l'objectif de 500 000. J'ai voulu aussi qu'il y ait ce contrat de génération qui maintenant est installé, qui concerne 40 000 jeunes et 40 000 seniors, qui ensemble finalement restent dans l'entreprise, liés les uns les autres pour assurer le renouvellement des générations. Et puis cette prime d'activité qui va encourager le travail des jeunes et leur permettre d'avoir un revenu plus élevé, parce qu'ils ne pouvaient pas être acceptés dans une société fondée sur l'égalité, qu'à cause d'un critère d'âge, des jeunes ne puissent pas avoir les mêmes droits que les adultes ou les plus anciens, dès lors qu'ils étaient dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi la jeunesse doit prendre espoir. Et ce que j'ai voulu aussi vous dire, c'est que vous aviez également une responsabilité particulière. Être jeune, ça ne dure pas. Être jeune, c'est à la fois marquer une impatience, mais aussi exprimer une espérance. Être jeune, ce n'est pas simplement penser pour soi-même, et j'espère par soi-même. Être jeune, c'est penser pour les autres. C'est penser pour l'avenir, c'est penser pour le destin du pays, mais même
de l'Europe et du monde. Quand on est jeune, on n'a pas de frontières pour ses espoirs, pour ses ambitions, pas de frontières non plus pour ses exigences en matière de droit et notamment de respect de la personne humaine. Alors, je souhaite que vous puissiez également vous engager. L'engagement, ce n'est pas réservé à la jeunesse. Ce n'est pas une obligation qui pèserait sur la jeunesse. L'engagement, c'est un moment de donner le meilleur de soi-même pour une cause qui est celle pour laquelle des générations et des générations ont parfois donné leur vie, ou au moins leur temps, c'est-à-dire celle de la solidarité, de la fraternité. Longtemps, je me suis posé cette question, peut-être vous aussi, notamment dans les écoles que nous avons pu fréquenter et que nous découvrions à des âges assez précoces, la devise de la République. Égalité, nous comprenions bien ce que ça signifiait, être capable de pouvoir réussir comme les autres, avoir les mêmes chances que les autres. Liberté, on comprenait aussi cette aspiration, celle qui avait levé des peuples, et notamment le nôtre, pour la conquérir, cette liberté, la liberté personnelle, la liberté de vivre comme nous en avons décidé, la liberté aussi de penser, de croire ou de ne pas croire, la liberté de porter un idéal, la liberté de s'exprimer, ça on le sentait bien, même très tôt. La liberté, c'est ce qui finalement nous saisit dès le plus jeune âge. C'est cette exigence de liberté que la jeunesse porte notamment, mais la fraternité. On se demandait pourquoi les révolutionnaires avaient voulu ajouter la fraternité. La fraternité, ce n'est pas simplement la solidarité. Ce n'est pas distribuer des prestations. Ce n'est pas accorder des droits. La fraternité, c'est de considérer son semblable comme son égal et d'être capable, à un moment, de lui porter ce qu'il attend, un message, une écoute et parfois une assistance, un secours. Mais la fraternité, c'est plus que ça. C'est d'appartenir au même ensemble. C'est de considérer que nous sommes, à un moment, les citoyens de la République, non pas simplement égaux, non pas simplement libres, mais que nous sommes ensemble et que nous sommes capables de porter cette valeur-là, cette belle valeur de la fraternité. Et c'est le sens du service civique. C'est d'apporter de la fraternité. Et je veux que ce service civique, je l'ai rappelé, soit offert à tous les jeunes qui en feront la demande, sans exception. Et que l'information puisse circuler, puisse être connue de tous, pour que ce service civique soit le service de tous et au service de tous. Je salue les services civiques qui sont là et qui donnent l'idée aux autres de le faire. Et qui donnent aussi à ceux qui sont plus vieux, là aussi, la responsabilité d'être utile. Et ça sera le sens de la réserve citoyenne que, finalement, chacune et chacun dans une société peut, à un moment de sa vie, l'offrir à d'autres. J'ai voulu aussi qu'il y ait d'autres services qui soient proposés, même un service militaire. Certains en faisaient la demande, mais un service militaire qui puisse conduire à une vie professionnelle. Ça existe dans les départements d'outre-mer. Et donc, on va le faire aussi en métropole, dans l'Hexagone. Il n'y a pas de raison pourquoi une bonne idée ne pourrait pas être diffusée partout dans le pays. Donc l'engagement le vôtre. Et je voulais aussi que cet engagement puisse passer par la vie civique et la vie politique. La vie civique, parce que je veux ici rendre hommage à toutes les associations, tous les mouvements. Et je sais qu'ils siègent dans ce Conseil économique, social et environnemental. C'est grâce aux associations que la France peut être, dans certaines circonstances, debout. C'est quand il n'y a plus d'État, parfois plus de services publics, qu'il y a encore des associations dans des quartiers ou dans des espaces ruraux. Alors vous, les jeunes, vous devez être pleinement partie prenante des associations. Certains, vous êtes déjà engagés, vous êtes déjà des militants, d'autres sont dans des organisations syndicales, mais vous devez être aussi des citoyens engagés dans la vie publique. Je sais bien, la jeunesse s'est éloignée de la politique, tout simplement parce que la politique s'est éloigné de la jeunesse. Et c'est pourquoi mon devoir,
au-delà des circonstances, au-delà des échéances, c'est faire que vous puissiez croire d'abord aux promesses qui vous sont adressées, en les vérifiant, en les contrôlant et en sanctionnant lorsqu'il y a eu des manquements. Mais je veux surtout que vous puissiez vous engager pour vous-même, pour les idées que vous portez. Personne ne le fera à votre place. Et si j'ai introduit, et le Parlement a suivi cette proposition, si j'ai introduit le non-cumul des mandats, qui sera pleinement effectif en 2017, c'est pour que vous puissiez prendre la place ou les places qui seront libérées. Ne les laissez pas passer, sinon elles seront occupées par d'autres et pas nécessairement par des jeunes. Engagez-vous à travers le service civique, engagez-vous à travers les associations, engagez-vous à travers les grandes organisations, engagez-vous dans la vie civique, prenez le pouvoir. Je suis désolé de voir que dans les élections, c'est chez les jeunes que l'abstention est la plus forte. Vous pourriez considérer que ces élections, notamment locales, ne vous concernent pas. Rien n'est plus faux. On a parlé tout à l'heure de l'aide sociale à l'enfance, c'est le département. On a parlé des transports, c'est le département. On parlera des quartiers, c'est souvent la région. Pour ce qui concerne les aménagements urbains, les écoles, les établissements, ce sont les collectivités locales, les communes, les agglomérations. Engagez-vous parce que c'est votre vie quotidienne qui est en cause. Engagez-vous parce que c'est votre avenir. Engagez-vous parce que ce qu'il s'agit maintenant d'assurer, c'est de vivre ensemble. La jeunesse doit dire ce qu'elle veut. Et vous devez le dire fortement. Mais vous devez aussi proclamer ce que vous ne voulez pas. Et dites-le fortement, dites-le clairement ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que l'on vous divise. Vous ne voulez pas que l'on vous stigmatise. Vous ne voulez pas que l'on vous sépare les uns des autres. Vous ne voulez pas que l'on vous exclue. Vous refusez le racisme, l'antisémitisme. Vous refusez cette espèce de haine à l'égard des autres qui ne pensent pas comme vous, alors dites-le fort. Parce que si vous ne le dites pas, si la jeunesse ne s'exprime pas, alors ces discours-là, ces haines-là, ces divisions-là l'emporteront à un moment sur la République. C'est vous qui êtes en charge de la République. Et puisque vous avez voulu qu'il y ait un grand débat dans la jeunesse, sur la jeunesse, je suis prêt à ce qu'il y ait des assises de la jeunesse, qu'une grande concertation où les jeunes s'expriment pour dire justement ce qu'ils veulent faire de leur pays et ce qu'ils ne veulent pas que leur pays devienne. J'ai confiance en vous parce que non pas vous êtes les plus jeunes, ça ne suffit pas. J'ai confiance en vous parce que vous voulez ici et au-delà de cette assemblée vous engager pour votre pays et votre pays a besoin de vous et vous devez faire l'avenir de votre pays. Merci.